Hey, bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Final Fantasy VII Remake, la démo. Enfin, on va pouvoir mettre la main dessus. Je vais sûrement faire une vidéo du gameplay et peut-être une deuxième où je redonne mon ressenti et tout le bazar parce que là, c'est un moment magique. Là, c'est Final Fantasy VII et je suis chaud. La musique! Waouh, purée! Allez, on y va. On ira la petite manette et c'est parti. Bon, moi je vais jouer sur le deuxième écran, c'est pour ça que je vais regarder par là. On la connaît la démo, mais chut. Ah, j'espère que c'est pas en anglais. J'ai pas vu les options. Elle est stylée, Iris. Le Mako qui s'échappe. Bon, ça va spoiler, hein, comme ça vous savez. Quelle enfoirée. Là, on voit que les êtres humains, ils s'en foutent de la terre par rapport à ce geste. C'est bien, c'est en jouant Crazy Score que tu comprends pourquoi Iris, elle vend des fleurs. Ça déchire. Bon, c'est le premier chapitre, ils ont dit. Les détails. J'ai envie de jouer, purée. Je veux jouer. Putain. Oh, je suis heureux, purée. J'ai déjà vu la démo, mais putain! Allez, la musique. Là, la matière à foudre. Et au moins, c'est pas du VR, c'est pas une simulation, c'est la réalité. Oh putain, je vais jouer, regardez les gars, je vais jouer! Pas en anglais. Pas en anglais, hein. C'est trop beau. C'est en anglais. La musique. C'est en français. Ça déchire. Enfin, je vais mettre les mains dessus. Oh, les stylés. Secteur 1, le sabotage du réacteur Mako. Bon, on va tester un peu. Carré, croix, y'a rien. Carré, épée. C'est fluide. Ok. Ça, c'est bien. Hop, il remet l'épée. C'est un style. R1, R2. R1. Ok, pause. Bon, ben, il n'y a aucune autre action à faire. Oh, on y va. Moi, j'ai l'écran ici, hein, c'est pour ça que je vous regarde pas. Hein. Barrette. Bon, allez, on y va. Patagette, qui êtes-vous? C'est bien, on a un avantage de la. À toi de jouer. Ah, les cheveux. Alors. Appuyer sur carré permet de. Non, l'attaque. Ok, carré, fermé. Bravo du soldat. J'ai autre chose à faire. Gain de niveau déjà. Cloud est niveau 7. Ils disparaissent comment, Mako? Ça déchire. Ok. 30 PM. On peut
Il n'y a pas d'option. Menu de commande. Objet. Sort. Je suis excité. Ah bah, faire attention parce que ça fait bizarre de jouer Fight 7 avec une caméra. Que faites-vous là? Stop! Passe un geste! Ça va la version VF. Hein. On va tester. On compte sur toi. On va tester bravoure. Hein. Yosh! Alors, la jauge d'ADB est composée de deux barres. Elle se remplit petit à petit avec le temps lorsque vous attaquez. Ok. Bien, ne nous forcez pas à tirer! Vous gênez pas. Vous gênez pas. Vous pouvez utiliser la barre d'ATB. Il est temps d'en finir. Combat normal. Ah, ok. Hop. C'est pas mal, franchement. Ça, par contre, faudra jouer sur grand écran. Hors combat, il est possible d'obtenir des informations. Magnifique. Fermé. Voilà, information. La carte... Elle de histoire s'infiltrer. Stylé. Lâchez votre arme. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Ah ben parlez pas, vous êtes en infiltration. Yasha. Alors, vous pouvez bloquer R1. Va voir. Rendez-vous gentiment. Faut pas que je me fasse encercler. La voix de Cloud en français elle déchire. Attaque bravoure, ok. Attaque puissante. Ah, en fait, t'as des stands. Ok. On check un petit peu, les gars. Il est en déchirage, je suis trop excité. Matériel foudre. C'est bizarre qu'on peut pas encore l'utiliser. Pouah, sur la télé, ça va être trop fort. Au cours du jeu, des icônes, ok. Que serait un Final Fantasy sans coffre? Deux grenades. Putain, c'est beau! Secteur A, secteur B. On sait jamais que des fois il y a des petits trucs à regarder. Hein. Toujours visionner. Shinra Corp. Mineral Water Cliss. Loveless. Excellent. Lorsque vous percez des quêtes pendant la Gunny Shoga, ok. Y'a rien par là. Y'a des caisses. Pierre Mako, PM restauré. Ça fait penser à un truc. Crisis Core. C'est dis, beau. C'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Ah. Et son nom, c'est Cloud Strife. Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Hein? Par contre, il a pas l'air commode. Tiens, ça part, ça vit. Ça va me déchirer. C'est reparti. Le village, ça compte, c'est vrai, non? Et moi, je suis pas au même niveau, c'est ça? Disons que tu joues pas dans la même catégorie. J'écoute, hein. J'aurais pas dû demander. C'est comme comparer. C'est bon, je t'ai dit. Ça style. Tu sais, Cloud, on compte vraiment sur toi. Ouais, merci. C'est fluide, bordel. Pff, c'est un monstre, Barrette. Casse-toi. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein? Ouais, sa vie, le visage, les paroles, ça change tout. On voit que Cloud, c'est un pourri. Dans le sens, il fait trop le type. Ouais,
BJ Wedge. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. Faut pas faire chier, Barrette. Oh, ça déchire. Purée, mais il va déglinguer ce jeu. Putain, ça déchire. Tu vois, on voit l'immensité de la Shinra. Rien que ce plan, il veut dire beaucoup de choses. C'est, la caméra, elle s'est levée. On a vu la Shinra, tu vois. Mais pour dire que tu vois, c'est plus grand qu'eux. On doit les voir de haut. Ça déchire. Oh, purée. Alors, vous pouvez concentrer l'ennemi R3, ok. Allez, attaque! Ok, rond, c'est pour rouler. Ça fait un peu Dark Souls, c'est bien. Allez, le Klebs mange. Ah, il faut obligé de changer de... Je vais commencer par toi. Pouah, les effets. Tiens, toi, choque. Quand tu te mets en position bravoure, t'as des attaques plus... C'est stylé. Quand il est en mode choc, il perd plus. Ah, tu vois, là, on voit qu'ils ont, engagé Cloud pour le combat, tu vois. Ça déglingue. Un éther. Yosh. Oh, c'est trop beau. Faut le choquer. Hop, ok. Choc, mangement, lui. Esquive. Ça déchire. C'est bien dynamique. Mais bon, il n'y a pas l'option mettre en tour par tour ou un truc comme ça, où ça ralentit le temps. Cloud, regarde. Je t'ai renvoyé l'ascenseur. On t'attend plus loin. Suive les mondes d'avalanche. C'est immersif, t'es dedans. Yarmako. La Buster Sword, ça me déchire. On a de la compagnie, je te les laisse. Ah, je vais te les déglinguer. Purée, on retrouve les ennemis de l'époque avec un design de fou. Quant à la caméra, c'était pas trop ça. Hein. On va choquer, allez, hop. Et coriace, hein, c'est quand même technique. Hein. Ah, compétence. Arme brave, choc transperçant, chien de garde. Ça déchire, putain. Ah ouais, ok. Eh, meurs. Alors, menu de combat, sort. Ah ouais, tu vois, c'est pas la foudre qu'il a. Tiens, mange. Ça déglingue, franchement. Oui, votre cal, il est content. Ah, mais là. Yash. Une médaille de Mog. On peut pas aller dans l'objet? Non. Wow, ça me donne envie d'explorer. Ils nous ont fait une Metal Gear ou quoi? Hop. C'est stylé. Toi, t'as envie de voyager, t'as envie de découvrir. Menu, sort, Cloud, ouais, il n'y a personne d'autre. Ils vont se faire du pognon, hein.
Claude. Bougez-vous le train. Bon, Wedge. Y a rien à dire. Allez, hop. Ça va, la version française, elle passe encore. Elle est mille fois mieux que la version anglaise. Ça me déchire. Réacteur... Il paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? Tu vois, on sent qu'il a la haine sur le soldat. On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'es encore leur foutu du clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, et ça devrait aller. Putain. Bix va pas tarder à ouvrir les portes. Putain. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là? Ferme vite. Merde. Tu ferais mieux que te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Elle est bien la mode 3. Oh. Tu vois, ça, l'équipe elle vit, ils sont là, tu vois, c'est pas comme tu t'en fous dans la première version, je m'en foutais moi d'Avalanche. Elle est bien mignonne. Hein. Lui, il aurait bien pu faire un personnage Capcom Resident Evil avec sa tête. Putain, je pensais que c'était la matière feu, foudre qu'il avait, pas feu, une queue de phénix. À partir d'ici, la sécurité est encore plus élevée. Alors fais gaffe. Et il a la haine sur nous, Barrette. Hein. Claude. L'ascenseur a l'air d'être tout en bas. Appuie sur le bouton à droite. Tu savais pas le faire toi-même. T'es un ami de Tifa, ce qui paraît. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? Tu vois, c'est flashback, ça. Tifa et moi... Mais voilà, il a des réminiscences de Genova ou je sais pas quoi, ça me déchire. Pouah, je vais le ronger. Ah, version de luxe direct. Hein. Musique. Oui. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Ça me déchire. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Il est là, tu l'entends, c'est ça? Ben ouais! Il a la haine, Barrette. Hein? Ça me déchire. Tu te fous de moi? Barrette, il est trop bien fait. Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Maintenant, va falloir être prudent. Ils savent déjà qu'ils sont là, c'est ça qui style. Ça fait Metal Gear. Jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité.
Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Elle va arriver avec nous, Barrette. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Essaie de pas me décevoir. Comment il fait le tir ? C'est bien parce qu'on va vraiment voir l'évolution de Cloud, ça va déchirer. Barrette Wallace. Alors, grâce au canon, maintenez pour lui permettre d'écouter une salve. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Ça, c'est ce que j'appelle être efficace. C'est stylé parce que ce truc, elle charge. Bon, on va quand même s'occuper de... compétences. Allez, mange. Oh, la légère. Je vais tout dégommer. Ah bah, il fallait viser l'autre, hein. Je suis en mode... Ah, ça en recharge. Attaque. C'est bien parce qu'il a une compétence de recharge. Voilà, et lui... On va attendre que ça charge. C'est trop fort. Cloud, regarde ça. Ouais, c'était ici. Des rideaux laser. Je m'y attendais. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas ? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Une petite roulade, exactement. Quoi. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. En première ? Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Celle-là, elle veut se le faire. C'est un vieux système de défense, hein. Oui, quoi? Il n'y a pas de roulade. Ok. Impressionnant. Je sais que c'est rien quand il est impressionnant. Comment il fait le type? Si je mets qu'un gros tas de ferraille. Il est équipé d'armes puissantes et d'un épais blindage. Je te conseille de faire gaffe, si tu veux pas mourir. Tu veux faire quoi? La magie devrait bien l'endommager, mais faut l'utiliser au bon moment. Courage! Alors, exécuter. L'intervalle vient apparaît au niveau du choc. Utilisez votre compétence ou sort. Ok. Oh, on l'a fait tomber. Il faut profiter de cette occasion. On le lâche pas. Mais non. Mais merde. Ça va pas durer longtemps. On va se créer une autre opportunité. Allez, on recommence. Ah, stylé, c'est stylé. Les combats sont vivants. Oh, purée. En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. Non, dès que t'es jeune, c'est ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord, d'accord. Première classe et un engage mental. J'essaie de m'en souvenir. C'est vivant, ça tue. Deux jeux totalement différents. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. Putain, s'il nous fait un Final Fantasy VIII comme ça, oh là là, collector direct. Final Fantasy VIII, c'est obligé. On y est presque. On y est presque. L'excité. Oh, la Buster Sword, comment elle est stylée. Pouah. Thank you.
Il y a quand même des petits élasings sur les cheveux. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa, pour te connaître, moi je te fais pas confiance. Moi ça mérite si d'être clair. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. C'est pas un soldat, pourquoi il a l'habit noir? Ah. Sephiroth. Son gant est tiré. C'est l'île de Genova, ça. Hein. Non, c'est rien. Tu mets combien de temps? C'est toi qui décides. 20 minutes. J'espère que t'es sûr de toi. Mais 20 minutes. Oh, t'as osé nous piéger! Là, oh! Hein? C'est quoi le truc? Bon, lui, faut pas l'attaquer quand sa queue est levée. Hé! Comment on combat ce machin? Il a un blindage renforcé et il est vulnérable à la foudre. Utilise la magie. Ah! Quand faut y aller, faut seulement un peu de soin! Sort. Foudre. Alors, jeu de transcendance des personnages. Transcendance, limite break. Oh, ça va, c'était bien. Oh, mon Dieu. Prends-en de la graine. Ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Putain. Tais-toi et grimpe. Tu gaspilles ton souffle. Ta gueule. Non mais non, si je parle pas, ça me stresse. Ah, barrette, il est de l'autre côté. C'est un monstre avec une main, hein. Ancien super soldat. Mais voilà. Quelle ambiance, quelle ambiance, t'es dedans! Ouah, ça leur fait mal. Alors, t'as t'en bouche à quoi, hein? Pas vraiment. Oh, j'aime bien son déchiré. Oh, 20 minutes, c'est vraiment suffisant. Bien.
Stylé. Oui, c'est eux qu'ils ont fait. Mais putain, ça déchire. C'est eux qui ont fait exploser, en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont dire qu'Avalanche est des terroristes. En fait, ça a rien fait. Ah, ils ont tué. Allez, dépêche-toi. Comment il fait le type? Trop le type calme. Purée, ça déglingue. Ça va aller? C'est tombé celle-là. Pour voir si tu t'arrêterais pour moi. Mais lol. T'es criant de vérité. Non, ah, oui. Elle disait bien. Comment il fait le type, il a kiffé. Tu sais, c'est impressionnant de voir ça en vrai. Hein. Je vais à une cinématique, tu sais l'impact que ça prend, regarde. Regarde. Mais on voit les conséquences. Tu vois, tout un quartier, ils ont plus de lumière, ils ont plus rien. Ça style, putain. Comment donner envie de l'acheter le 10? Regarde la fleur. Elle a une nouvelle matérielle. Comment c'est trop beau. Oh merde. Oh. Ah, on voit un peu d'aliasing quand même sur les cheveux. Hein. J'espère que la version finale, il n'y aura pas ça. Ça déchire. Putain de merde. Oh là là, mon Dieu. Monstrueux. Je vais faire une vidéo pour donner mon ressenti parce que c'est chaud. Allez, à la prochaine pour la vidéo suivante sur mon ressenti.